On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de combat avec notre ami Sangohan, un guerrier qui est le fils de Goku, hein, du sang de Saiyan, coule dans ses veines. Même s'il n'a aucune passion pour le combat, il possède un immense potentiel reconnu par son père. J'espère qu'en tout cas vous allez bien les amis, il nous reste Sangohan, Vegeta et Goku Black, et du coup on aura tout simplement compléter les épisodes de combat sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas le petit pouce bleu les amis pour soutenir la vidéo pour le référencement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez réellement de ce DBZ Sparking Zero, et sans attendre, on est parti pour continuer notre aventure. Alors par contre je sais pas jusqu'à où ça va aller avec, avec lui, parce que surtout qu'on commence quand il est grand. Ah non, ok. Je pensais que... Non, il était grand, ok. Sangohan était déterminé à s'entraîner dans la salle de l'esprit avec du temps avec son père. Attends, cet endroit avec l'esprit, c'est où? Ah, les cyborgs. Ah, c'est bizarre. Y a pas celle à ce moment-là? Ah si, si, c'est ça. C'est celle. Avec... Si, si, c'est bon. Mon cerveau, tant qu'il réagisse. Hein. Si, si, c'est ça. Donc là, du coup, on va affronter celle. Ah, peut-être pas celle parfaite directe. Et après, on aura aussi Sangohan avec quoi? Avec Majin. Majin Buu. Et Super, ça, je sais pas du tout s'il va jusqu'à Super Sangohan. Du coup, ça va être l'occasion de le découvrir. Hein. Et bien sûr, quand on aura complété Dragon Ball Z Sparking Zero sur la chaîne YouTube, et ben on sera là hein, pour continuer notre let's play avec notre ami Boris Sauvage pour passer numéro 1 mondial sur le jeu Undisputed, les amis. Alors pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu sur la chaîne YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner et puis aller checker la vidéo dans la playlist. C'est un jeu de boxe, les amis, qui est vraiment très très bien, que je vous conseille fortement si vous aimez les jeux de boxe, tout simplement. C'est vraiment une dinguerie. Ah, moi en tout cas j'adore, bon malgré qu'il a pas mal de défauts quand même à corriger, mais sinon vraiment super. Gohan. Ah, il prononce comme ça, sans Gohan. Ah nous, j'ai dit, ouais, je crois. J'ai entendu Gohan. Alors, je dis qu'en Sangohan, du coup, ça se dit pas Sangohan alors. Sangohan. Ouais, peut-être, je sais pas. Bon, premier combat avec le papa. Ah, y a vraiment des problèmes, j'arrive vraiment pas à me TP, je comprends pas. Ah enfin, c'est pas trop tôt. Bon, j'essaye de me passer en manuel pour les prochains épisodes, voir. Je suis pas en manuel, hein. Je suis en recommandé, donc je sais pas trop ce que c'est. Mais faudrait que je teste en manuel, voir si ça serait pas mieux. Parce que... J'arrive pas à me... Enfin, il me tape. J'essaye de faire le R1, ça marche pas du tout. Ah, ok. Bon, il fallait pas forcément le battre. D'un côté, tant mieux. Hein. Ah, le voilà, le sel parfait là.
Pendant que Sangohan et Sangoku continuent leurs entraînements, Cell absorbe les autres cyborgs, atteignant de nouveaux sommets de puissance. En sortant de l'entraînement dans la salle de l'esprit du temps, Sangohan et Sangoku apprennent que le tournoi des Cell Games se tiendra dans 9 jours. Oui, ça va aller vite, hein. 9 jours, ça tourne très très vite, 9 jours. お前の出番だぞ、ゴハン。僕がセルと？無茶を言うな、悟空。戦えるわけないだろう。確かに見違えるほど実力は上がったが、相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ピッコロ、ゴハンは俺たちの思ってる以上に信じられねえような力持ってんだ。どうだ、ゴハン。 さっきの父さんとセルの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だってお父さんもセルも思いっきり戦ってなかったんでしょ？セルはどうか知らねえが、父さんは思いっきりやってたさ。つまりおめえには手抜いてるように感じたんだろ？ そうなのか、ごはん。はい。あれ、ごはん。平和な世の中を取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ？わかりました。 OK papa, hein. Je vais le faire. Allez tiens, mon chat. Oh. Attends, à mon tour. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ma puissance? Bon, ça c'est carrément raté, hein. するの好きじゃないんだ。僕は昔から怒りで勝ってなると自分の意志を超えとんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。ほう、失敗だったな。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。 やはりガキだな。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。 Oh, le petit coup de pied là, c'est plaisir. お前たちまで巻き込んで犠牲にしてしまうことを許してくれ。俺はセルと共に自爆する。うん。残念だったな、16号。最も爆弾ごときで私が死んだとは思えんがね。
なんだ、あれは。さあ行け、セールジュニアたちよ。やめろ。孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。いいアドバイスだが、私は私のやり方でやっているのだ。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。余計なお世話だ、出来損ないめ。Voilà, Sang Gohan là, il s'énerve. Bon, déjà, on va affronter les petits avant là. Ouais, je pense pas que ça passe. Hein. Ok, ils ont plus de vie. Ah si, maintenant voilà le sel parfait. Hein. Vous pouvez pas venir avant. Hein. では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。くっ、カメハメハ。やるじゃないぞ、許さないぞ、お前たち。はい、c'est pas passé ça. Attends, là, je suis grave énervé là. Ah, c'est pas passé, hein. Forcément. J'ai parlé trois fois les carrés et le triangle, ça marche pas tout le temps chez moi, je sais pas pourquoi. Peut-être que le fait que je suis en recommandé, je sais pas trop. Donc je joue pas en manuel, hein. Pour ça, faudrait que je teste avec Vegeta. Je mettrai en manuel pour Vegeta au pire. Bon là, par contre, ça fait mouche, hein. Non. Non, c'est ça. Oh, naze are foto no power ga e atsu ni. Oh, nani o shite iru? Todome da! Sugu ni todome o sase! もうとどめを。まだ早いよ、お父さん。あんなやつはもっと苦しめてやんなきゃ。
号だ。18号を吐き出した。ち、つまらない。それじゃお前ももう終わりだな。許せん、許せねえ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。なんだ、悟空。やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイ、みんな。悟空、お前、まさか。悟空。ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。お父さん。Ah ben là, il est désespéré, hein. Comme le papa, il est parti. Oh, t'inquiète pas, il va revenir.驚いているようだな。何がおかしい？気でも触れたのか？僕の思い上がりで死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。貴様はぜひこの手で殺したかったと思っていた。そらどうかな。今度はそううまくいくとは思えんがな。Allez, on va voir ça du coup. Je vais retenir mes coups là. すぐに終わらせてやる。私もスピードには自信。J'ai rien dit.Ah, ça c'est atroce, hein. Je sais pas comment faire pour l'esquiver, ça. Oh, my God.
僕が戦わないと。当たれ！マセンコ！ah, ça fait mal, hein. Ah, j'ai pas réussi à faire deux fois triangle, ça marche vraiment pas, hein. C'est bizarre que ça marche pas chez moi. Ouais, logiquement, il est mort. Ah, pleure pas, Cell. On se reverra. Un jour. お父さん、ごめんなさい。セルから地球を守れなかった。守れたはずの地球を。おい、こら、諦めるなんてねえだろ、ごはん。お父さん。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろ。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。はい。あっ、ねえ、あっ、ねえ。止まれ。さあ、終わりだ。終わりにしてやる。今だ。Par contre, il y a une question que je me pose. Alors, vous pourrez peut-être me répondre, hein, honnêtement. Mais avant que Dragon Ball Z Sparking Zero sorte, on avait parlé des épisodes de combat. Mais normalement, ça aurait pas dû être comme ça, il me semble. Par exemple, là, quand on affronte Cell, on aurait pu, par exemple, Trunk aurait pu tuer Cell ou Vegeta. Et au final, ça se passe pas comme c'était prévu. Ou alors, j'ai loupé quelque chose. N'hésitez pas à me le dire, hein, si vous le savez. Saga de Sangohan. Si, c'est ça. On est rendu à l'arc boule. Hein. Mais ouais, il me semble. Hein. Il faudra que je cherche. J'avais vu un truc. Avant qu'il sorte, tout le monde parlait des épilogues de chapitres qui allaient sortir et qu'on aura plusieurs variantes. Bah, c'est ce qu'on a. On a des variantes. Hein. Vous voyez, il y a des variantes. On peut choisir deux variantes là. Mais je pensais qu'il y aurait eu des variantes. Par exemple, pour Cell, par exemple, limite, hein, une bêtise que je veux dire, Krilin tue Cell, quoi. Ça aurait été tellement bien. Mais il me semble que c'était ça, de base. Hein. Et il faudrait que j'arrive à retrouver les anciennes vidéos de Bandai, là. Et j'essaierai de regarder, voir si c'est bien ça. Et si c'est bien ça, du coup, je vous le ferai voir. Hein, sur une vidéo, peut-être, sur la dernière vidéo de Goku Black, peut-être au début de présentation.
pour vous expliquer que normalement ça a dû être comme ça. Alors est-ce que je me suis trompé? Peut-être que je me suis trompé, hein, honnêtement. Mais j'ai cru avoir vu ça il y a quelques temps de ça. Que normalement les épisodes de combat, on aurait eu plusieurs choix possibles. Alors oui. Alors est-ce que c'est peut-être pas pour les épisodes de combat, mais c'est peut-être dans un autre menu? Parce que à vrai dire, j'ai pas été voir les autres menus du jeu. À part quelques menus, mais honnêtement, j'ai pas vu tous les menus que le jeu nous proposait. Hein. Donc peut-être que c'est peut-être dans un autre... dans un autre menu, peut-être. Ça se trouve, c'est peut-être pas pour le mode story. Honnêtement. Peut-être, hein. Il faudrait que je regarde. Videl. La fille de Satan. Il est là, Krillin. Hein. C'est vrai qu'il est bien, lui, il est marrant. J'aime bien, lui. Le personnage que j'aime bien, c'est Vegeta. Franchement, hein. Il claque, hein, ce perso. Vegeta est vraiment terrible, quoi. Bon, après, hein, le héros hein, que tout le monde kiffe le plus, je pense, Sangoku, certes, mais... C'est vrai que Vegeta, c'est quelque chose. Enfin, j'ai vraiment hâte qu'un autre Dragon Ball Z là, il sorte tout de suite là. Mais encore mieux que celui-là quoi, vous voyez, vraiment encore meilleur quoi. Honnêtement. Allez, bim, oh là. Allez, du coup, dépêche-toi, Sangohan, là. Viens en aide, là, Videl. Eh oui. Tentez d'arrêter le combat. Non, on va arrêter le combat. On aurait pu choisir. Restez calme, au pire. Quoi? Allez, petit combat. Ouf. Ah, fini. Oh, ça a été vite, hein. Franchement, le combat était très très vite. Boutique, objet ajouté. Un diable Kiki. Ah, Videl. On a débloqué un nouveau personnage. Quoi?
今では俺たちの方が力は上だ。もっともこいつは逆上してぶっちぎれるとどうなるかわからんがな。ダブラ。Ah oui, Dabra. Ah, j'aime bien ce perso. 人間としては大したものだ。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。ふん。ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、バビディは。ふん。無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと。Ah bah oui, t'as bien compris. なめるのもいい加減にしろよ。これで終わりだ。Il veut pas me laisser tranquille, lui, hein. これくらいの抵抗はしてやる。これくらいの抵抗はしてやる。あ、しばしさばさん。Non, non, ça passe pas, il a bougé. Ah, j'arrive pas à faire deux fois les triangles. Ah, j'arrête pas de le dire, mais honnêtement, ça marche vraiment pas chez moi. Vous avez vraiment la question à mon problème, n'hésitez pas à le dire. Il est vraiment bien ce personnage d'Abra. Hein. Il faudrait que je l'augmente. Je sais que dans la personnalisation, on peut augmenter les personnages. Ça va être un perso que je vais augmenter, je pense, d'Abra. Hein. Après, je sais pas si les personnages en ranked, ils sont équilibrés ou pas, mais... Bon, je doute. Je pense qu'il y a d'avoir des persos qui doivent être trop cheatés comparés à d'autres, mais... C'est un peu dommage, hein. dans les jeux comme ça, un peu compétitifs, jeux de baston, quand les persos sont vraiment trop forts comparés à d'autres. Ça, c'est dommage. Ah, Boo. Franchement, j'aime trop Boo. Il est trop bien. J'aime bien le design du personnage. Imagine Vegeta. Oh, il rigole pas.
危ないところを助けられたんだ、海王神様に。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。何？へへへ、美味しかったぞ。みんな食べちゃったんだ、俺がチョコにしてな。 おい、まさか俺と戦うつもりか？違う、貴様を殺すつもりだ。おおおお、思い出した、お前、前俺に吹っ飛ばされたやつだ。 Ouais, mais là je reviens en plus fort. Ah. Ça, par contre, je pouvais rien faire. Ça l'a même pas touché, ça. Oh, ça a juste... ça l'a chatouillé, hein. Ça l'a chatouillé, honnêtement. Mais là, ça marche. En fait, ça dépend. C'est bizarre. Oh, faut peut-être orienter le joystick vers le haut, peut-être, je sais pas. Oh, ça c'était joli, ça. C'était joli. ご飯君、無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞ、てめえ。二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強である、はずの私より強かった。 そこで考えたんだ。スーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。そういうことだったのか。だがそうやってペラペラ喋ってる割には頭の悪さは変わってないようだな。 どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。
何？前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど。そういうことか。な。Eh oui, il veut de la baston. Alors c'est le moment. Non mais, arrête de te protéger bordel. Ah mais... Mange mon Kamehameha là. Là par contre je prends cher. Voilà, comment il fait? Ah, franchement, moi quand ils me font ça, je peux rien faire. Ah, j'ai plus de ki. Ah, c'est bon, c'est fini. Ah, c'est fini sans être fini. Alors, on a débloqué quoi là? Oh, on a gagné un peu mal de zénith. Alors, Arc Beerus, dieu de la destruction, résurrection de Freezer. On n'a pas complètement fini. Hein. Donc, ça va jusqu'à super avec Sangohan. Ça, on l'avait vu. Hein. Là, c'est à peu près la même chose en fait. Hein.
honnêtement. C'est pour ça que je lis pas forcément, parce que c'est à peu près la même chose que Sangoku par moment. À part là, les cinématiques qui changent.決まっているでしょ。復讐ですよ。孫悟空はまだですか。せっかくやってきたのに、お友達がみんな殺されちゃってたら、孫悟空はさぞ無念でしょうね。ごはん君、やっちゃって。あんたならバッチリ勝てるでしょ。 兵士たちだけなら多分。でもフリーザはやばいです。以前とは別人と言ってもいいくらいはるかにパワーアップしてますよ。あの男どこかで、なるほど、あの時の孫悟空の息子でしたか。皆さん下がっていってください。 Donc je suis super fort. Mais si, il est là Piccolo dans Super. Sauf qu'il se bat peut-être pas, parce que on n'a pas été jusqu'à Super avec Piccolo. Par contre, le Madan explosif, ça doit être une attaque au corps à corps. Elle va pas très loin, je trouve. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle va super loin. Allez, le petit freezer. Ah, Freezer déclare forfait. On a débloqué quoi? Pan? Ok, je connais pas. Pan fait partie des GT, je viens de voir, c'est marqué GT, mais je connais pas du tout. C'est elle qu'on a vue tout à l'heure du coup. Saiyajin, Saiyan, tu aimes le payer. さあ、どうしました？早く逃げないと殺してしまいますよ。おや、もう動けませんか？孫悟空と違って諦めが早いですね。殺してあげるよ。サイヤ人は私の手で。 Il est grave énervé.
Ah, Son Goku qui arrive. Tōsan, tanomimasu. Mais ça, on l'avait vu aussi. Ah, c'est pas fini. On a aussi l'arc survie de l'univers. Donc là, le dernier. Ah, Sangwan, l'épisode de combat de Sangwan est quand même assez long comparé à d'autres. À mon avis, Vegeta va faire la même chose aussi. Jusqu'à l'univers. Peut-être Goku Black, peut-être qui sera un peu moins long. Je me souviens plus lequel qui était rapide. Il y en avait un qui était super rapide. Je me rappelle plus c'était lequel. Ah, Piccolo peut-être. Piccolo était... Ouais. Il est assez rapide. Ah bah là j'espère juste qu'on va pas affronter 4-5 adversaires d'un coup parce que... Déjà on avait galéré un moment déjà. Oh là 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 là, ça commence. Ah, Freezer c'est fini. ご飯大丈夫なのか。まさかあいつら本気で戦う振りをしていたのか。最初の攻撃を受けた時感じたんです。これは本気じゃないって。だったら乗ってやろうとフリーザの作戦に。ま、あなたがそんなこともわからないおバカさんなら殺していましたけどね。 これでフリーザが味方だということが分かったな。だといいがの。もしご飯が気づいていなかったら、やっぱり裏切ってたんじゃないかなって。孫悟飯さん、これからも優勝に向けて力を合わせ。 頑張りましょうね。 Ah oui, c'est vrai que lui, il est hyper rapide, je m'en souviens. Hyper chiant, surtout. Ah,
Non, ça marche pas tout le temps, je comprends pas. Des fois j'arrive, et des fois j'arrive pas. Ouais, mais ça, de toute façon, il fallait s'en douter, j'allais louper. Ah, je pensais qu'il y en aurait eu un autre. Allez hop. Éjecté de l'arène. お前を部隊から落とすことが僕の役目。なるほど。さすがはリーダー。これは素晴らしい作戦ですね。安心してください。 Ah, ça, c'est le combat final qu'on avait fait. Bon, ça, c'est la fin. Ça aussi, on l'avait vu. Bon, voilà. On a fini l'épisode de combat de Sangohan. Alors, je sais pas si on a débloqué quelque chose. Passé. Non, hein, pas un trophée sur PlayStation. Et puis combat personnalisé, un clip de 2D, hein, comme d'habitude. Bon bah voilà, on va s'arrêter là, nous, sur cet épisode. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour compléter Dragon Ball Z Sparking Zero sur les personnages qui nous manquent, donc Vegeta et Goku Black. Sur ce, ciao à tous.